le signal et merde mon cœur sur tout sans fait. Radio Soupente, la station des rapins, 100 fois sans loi et sans courbette, l'émission à racailles du 21 juin 2022, qui, pour sa partie artistique, évoquera la vie tragique d'un artiste magnifique, Marian. Vous venez d'écouter Le Temps des Cerises du groupe Noir Désir, et nous allons tenter, au cours de cette émission, de porter notre regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc. Ouais, salut à tous. Vous pouvez nous écrire sur notre mail artracaille@orange.fr. La guerre. La guerre au petit matin. On cogne à la vitre. Debout là, putain. Prends ta valise et vite. Dans l'aurore de juillet, grouillé de flics. Mon Dieu, ces Français, plus pourris que les frites. Ils nous ont parqués au vélodrome. Le soleil crachait sur Israël. Et dans les gradins, nos étoiles jaunes qui faisaient honte au ciel. Du Veldiv jusqu'au bus et des bus aux wagons, des wagons jusqu'au terminus. Du Veldiv jusqu'au bus et des bus aux wagons, des wagons jusqu'au terminus. Et pourtant, moi la mort, j'en suis revenu. Et comment on s'en sort? Je ne sais pas, je ne sais plus. Mais je suis là et bien là.
l'éternité. Donnez-moi des tonnes de sourires d'enfants et des sommes taillées dans les volcans. Ah, bravo, bravo. Et tant pis si parfois j'y pense encore. J'ai baisé ces fils de pute et je leur crache au mirador. Ce bâtard du diable, ce chien autrichien, je l'emmerde dans son enfer chrétien. Ah, bravo, bravo, je vous jure que je ne vous oublierai pas. De mon étoile jaune là-haut, je veillerai sur vous en bas. Pleurez pas, mes chéris, sur ma terre promise. J'aurai votre amour dans ma valise. Tu veux vivre jusqu'au bus et des bus au wagon, tes wagons jusqu'au camp terminus. J'ai fait partie des vénards, de ces sacrés vénards qui ont revu leur gars. C'est Annie Cordy qui interprétait « Ah, bravo », un texte écrit par Gilbert Bécaud. Oui. La chasse est ouverte. En application de la 8e ordonnance nazie du 29 mai 1942, le port de l'étoile jaune est obligatoire pour les Juifs dès l'âge de 6 ans dans la zone occupée. Et depuis, la chasse continue pour ceux de type arabe ou africain, roms et autres vagabonds du monde. Le vagabondage étant un délit crédier. Tout ce qui sort du lot commun devient délit aux yeux écarquillés des fells de gendarmes français et autres casqués de l'ex-tour pointu. À ce jour, toute la France subit la 8e ordonnance nazie. Vous avez bien entendu, aujourd'hui, toute la France subit cette ordonnance. Plus de zones libres où s'ébattre sans la crainte des coups de bâton assénés par la maréchaussée en goguette, qui, durant l'occupation de ce pays par les hordes nazies, a efficacement secondé et souvent même devancé la Gestapo et autres SS dans la chasse aux Juifs. Opération Étoile Jaune de Maurice Rachfuss éclaire d'une lumière blafarde cette collaboration fructueuse, mais surtout suprêmement honteuse. Des extraits hallucinants d'infractions relevées et contrevenant à la 8e ordonnance sur le port de l'étoile jaune, sont consignés sur les mains courantes des commissariats de quartier de cette époque pourrave. Depuis le loupio d'à peine 6 ans, aux jeunes filles, aux femmes, aux jeunes hommes, aux vieillards décorés, le bouton rouge de la Légion d'honneur au revers, sans l'étoile ou l'étoile mal cousue ou de travers, qui se termine à Drancy, en transit pour les chambres à gaz. 73 000, dont 11 000 enfants. Merci Pétain et sa clique, merci les flics, gendarmes,
renseignements généraux ou leurs supérieurs, préfets et ministres de l'Intérieur, qui sont sortis les mains blanches de leur collaboration active avec l'occupant. Et les honneurs pour beaucoup d'entre eux, dont une remise de fourragère par la culotte de peau de Gaulle. Et aujourd'hui, en France françaoise, la chasse à l'homme continue. Faut dire qu'avec l'expérience, les outils de la répression raciale se sont affûtés. Depuis la 8e ordonnance d'Asbrock, il y a eu la chasse aux Algériens et se remonte à la surface pour une bolée d'air vicié, Charonne et les noyés balancés dans la Seine depuis les ponts de Paris. Mai 68, ces barricades et la course à l'échalote, des matraques et des lacrymos au cul d'une jeunesse révoltée. Les gilets jaunes et le lugubre cortège des mains arrachées et des yeux crevés. Et entre deux, le délit de faciès et la chasse aux migrants et autres maudits, quand ce ne sont pas les noyés en mer ou l'interdiction de faire escale dans un port français pour un navire qui sauve de la noyade des migrants en route vers le faux espoir d'une France fraternelle. On fout en tôle des gens, ni arabes, ni noirs, ni migrants, ni contrevenants d'aucune sorte, mais criminels, d'aider des dépourvus de tout à échapper aux nervis de la police aux frontières. En tôle, crie le flic, en tôle, abonde le magistrat. Le politique et le raciste de base qui n'ont plus la 8e ordonnance pour excuser leur connerie crasse mortifère. Un si beau pays gardé par une police au passé si glorieux et au présent qui ne l'est pas moins. Douce France, cher pays de mon enfance, chantait le collabo traînait. Oh non, pas une exception. Le lot du tout Paris des arts et du spectacle de ces belles années de l'occupation. Et que la fortune d'un Bernard Arnault, qui vient d'un grand-père, qui a produit par centaines, par milliers, des bustes de Pétain, tandis que devant sa porte, on arrêtait des Français de confession juive, par centaines, par milliers, direct les camps de la mort, qui aujourd'hui, avec son coucou perso, bouffe notre oxygène par centaines, par milliers de mètres cubes, qui doit avoir un plan pour continuer à respirer quand tout l'air aura foutu le camp et qu'on sera tous crevés, nous, les ballots. Ouais, bah voilà, je crois qu'on a bien remis les choses à leur place. Hein. C'est cette police qui tue, cette police collabo, en plus récompensée par De Gaulle. Ça, je ne savais pas, tu me l'as appris tout à l'heure. Oui, une remise de fourragère pour probablement service rendu, en éliminant, si vous voulez, un maximum de juifs, de Français de confession juive. Il y avait aussi des étrangers de confession juive. C'est eux les premiers qui sont passés à la casserole, si on peut dire. Ouais. Et là, notre assemblée, qui a 90 sièges quand même, qui appartiennent au RN, sachant qu'effectivement, les policiers, les gendarmes, les militaires votent majoritairement Rassemblement National. Voilà. Tous ces militaires qui descendent évidemment de nos glorieux flics de l'occupation, de la collaboration active avec les nazis, voilà, ils n'ont pas beaucoup changé, puisque les méthodes sont les mêmes et même plus raffinées encore, si on peut dire, dans le crime. Ouais, et moi, bah, je vais continuer donc ce presse-papier, justement, parce que cette police, alors quand nos ministres ou nos députés de droite s'insurgent, qu'on ose dire que la police tue, oui, la police tue, on est désolé. C'est la dernière, je crois que c'est samedi dernier, samedi 4 juin, donc il y a deux semaines, où une jeune femme a été visée par une balle à la tempe à l'arrière d'une voiture. Il y a un témoignage d'Inès qui était présente à l'arrière de sa voiture. Rayana était son amie. Donc elle raconte exactement comment ça s'est passé, qu'effectivement, elle et son amie se sont retrouvées dans la voiture d'amis, donc qu'elle ne connaissait pas. Apparemment un jeune homme qui n'avait pas de permis. Mais elle se retrouve dans le quartier de Pigalle au petit matin. Il y a des policiers à vélo qui les arrêtent.
et qui leur demande sûrement leurs papiers. Le jeune homme panique, il essaye de démarrer, mais à aucun moment il va essayer de rentrer dans les policiers. En fait, il y a des embouteillages, et le conducteur qui a 38 ans, lui, ne peut pas aller bien loin. Donc, en fait, les policiers vont tirer. Et cette jeune femme, Rayana, qui est à côté du passager, va recevoir une balle dans la tempe. Donc va mourir. Au début, son amie Inès croyait qu'elle était simplement tombée dans les pommes. Le conducteur, lui, est grièvement blessé au thorax. Et les trois policiers qui ont été entendus pendant 48 heures en garde à vue sont ressortis libres, même si une information judiciaire a néanmoins été ouverte à la suite de ça. Et en fait, c'est ces faits qu'on raconte qui sont vraiment récurrents depuis quelques temps quand même. La police tue dès qu'une voiture est arrêtée, même s'il y a un refus d'obtempérer, il n'y a pas danger. Ce sont pas des conducteurs armés, il y a pas. Et en fait, il y a une loi, j'ai regardé, qui explique que depuis 2017, donc à la fin du quinquennat Hollande, une loi qui a autorisé à tirer quand il y avait un risque parce que la voiture est considérée comme une arme par destination. Donc dès que les policiers se sentent mis en danger, ils ont le droit de tirer. Donc voilà pourquoi on peut tuer dans une voiture des gens sans défense, on peut leur coller une balle dans la tête sans souci. Donc il y a eu 21 morts dans ces circonstances quand même depuis 5 ans, donc ça veut dire quand même qu'il y a plus que 4 morts par an, c'est absolument énorme. Donc là, sur Basta Media, il y a un article qui recense effectivement toutes ces personnes qui ont été tuées quasiment à bout portant et où les policiers, pour l'instant, continuent de pouvoir travailler sans être embêtés, quoi. Donc, on a le droit. Quand on a vu à la manifestation à la Nation, on était derrière les cordons de sécurité policière, et quand on a vu dans le dos de certains gendarmes, etc., des fusils d'assaut, les fusils d'assaut, ils tirent pas les balles en caoutchouc. Alors, si on leur fournit, je répète toujours la même chose, mais on le répétera jamais assez, et puis il n'y a que pratiquement une petite radio de quartier qui osent se permettre des choses pareilles, de dénoncer ces choses-là, sur leur refil des armes de guerre, c'est pas pour faire la parade, hein. C'est probablement un jour ou l'autre, ils s'en serviront pour tuer à balles réelles, voilà. Voilà. Et donc dans l'histoire, dans cette affaire du 4 juin, effectivement déjà les témoignages de la police étaient contredits par le témoignage de cette femme qui était dans la voiture. Donc il y a eu mais justement il y a eu quand même confirmation que ses dires à elle étaient justes puisqu'elle était quand même dans la voiture. Et il y a des enregistrements qui montrent qu'effectivement la police avait déjà raconté des craques, quoi. Donc une voie de refus d'obtempérer, on peut aussi tirer dans les pneus de la voiture, on peut tirer au pire dans les jambes si vraiment on veut que les gens s'arrêtent et qu'on se sent menacé. Dans la voiture, c'est difficile de tirer dans les jambes. À aucun moment on tire dans la tête de quelqu'un. Enfin, ça c'est quand même tirer à balles réelles. En plus c'est vrai qu'ils ont des armes qui sont pas des simples petits pistolets comme ça, ils ont quand même des armes hyper puissantes. Donc c'est marrant, ça rappelle un petit peu l'assassinat de cette journaliste palestinienne, ouais, qui elle aussi a été tuée d'une balle derrière l'oreille, quoi. Voilà. Alors là, c'est pas un tireur d'élite, c'est un petit poulet de quartier là, qui se prend pour un cow-boy. Voilà, et parce qu'on leur file des armes dans les mains et ils sont pas du tout préparés à se servir de ces armes qui tuent, ces armes létales. Voilà, bon. Hein ? Content ? Voilà, surtout qu'effectivement, là, dans le cas de cette voiture, il y avait des bouchons, la voiture pouvait pas aller plus loin, donc à aucun moment il y avait une mise en danger de ces policiers, quoi. C'est vraiment gravissime. Ce refus d'obtempérer, un refus d'obtempérer, ça va pas plus loin. C'est pas très grave, finalement. On peut arrêter un véhicule, quoi. Autrement. Voilà. Si on met quand ça va être une balle dans la tête à tous ces gens-là, on va plus rester forcément nombreux. Donc voilà ce que je voulais souligner, parce que ça m'a énormément marqué. Surtout que hier, j'ai suivi un peu les résultats électoraux et donc d'entendre tous ces politiques de la droite dure ou soi-disant moins dure raconter leurs âneries et dire qu'à défendre cette police, ça me met quand même un peu hors de moi, quoi. Oui, la droite dite républicaine, c'est-à-dire je sais plus comment elle s'appelle maintenant, enfin le parti ex-gaulliste ou la droite fasciste de Le Pen, c'est le même combat, hein. Il n'y a pas vraiment de différence, hein. Les conservateurs et les extrémistes fachos, même combat.
On va voir d'ailleurs dans la législature comment ils vont s'arranger pour soutenir Macron. Voilà, quelles sont les nouvelles amitiés qui vont se trouver. Enfin, les nouvelles amitiés, pas tellement nouvelles. Non, parce qu'effectivement, quand on écoute, quand on regarde un peu, qu'on analyse d'où viennent ces 90 sièges du Rassemblement national, déjà, il y a cette forte abstention qui est une abstention qui est des jeunes qui se sentent des jeunes et des gens qui se sentent plus intégrés dans cette société, des gens qu'on méprise au quotidien et donc qui n'ont pas du tout envie d'aller voter. Donc on commence à comprendre que l'abstention peut être abstention politique et j'espère qu'au bout d'un moment, bah oui, on va faire quelque chose pour essayer de rêver. J'aime bien rêver. Et donc voilà, donc il y a aussi les gens qui votent effectivement sont les gens qui vont être à droite. Que quand il y a eu la NUPES contre le Rassemblement National, la République En Marche a peut-être appelé un fonds républicain, mais dans les faits s'est abstenu ou n'a rien dit. Donc en fait, ce sont des voix qui ont été sur le Rassemblement National, et qu'en fait, entre les deux tours, on a diabolisé cette gauche, cette NUPES qui allait foutre un chaos en France, et qu'on s'est bien gardé de parler du Rassemblement National et de dire que là, il y avait quand même un réel danger. Donc on sait très bien d'où viennent ces 90 sièges, d'autant que ça, les résultats de l'Assemblée, enfin la couleur de l'Assemblée correspond exactement à ce qu'il y a eu au présidentiel. Oui, on est dans les mêmes proportions. Merci la télévision, merci les médias, etc., qui ont fait une publicité d'enfer à cette grosse vache de Le Pen. Voilà, faut pas s'étonner non plus. Elle passe à la télévision à longueur d'émission, etc., etc. Bon, ben voilà. moi, hier, j'ai regardé les résultats donc sur France 2. Et donc, j'ai commencé vers 8h15 et après vers... Et à 11h, à 8h15, donc on a déjà eu assez rapidement, parce que les résultats d'Hénin Beaumont et du Nord, où effectivement le Rassemblement National est majoritaire, parce que c'est des régions qui sont complètement désindustrialisées, sinistrées, donc à part des gens comme Ruffin qui vont aller sur le terrain, qui vont rencontrer la population et faire en sorte que lui, dans les mêmes régions, il est 60%, c'est une région, effectivement, où c'est très facile de manipuler cette population qui est complètement aux abois et qui a perdu tous ses repères. Et donc on a montré le discours de Marine Le Pen qui avait un sourire comme c'est plus possible, elle jubilait. Et alors là où j'ai été étonnée, c'est que vers 11h, ben voilà, qu'ils remettent le discours de Marine Le Pen. Alors là, j'ai fermé mon ordinateur, j'ai dit, ben, ce sera sans moi parce que j'ai pas besoin de l'écouter deux fois dans la même soirée. Ils remettaient le même discours. Bon. Oui, et puis alors, ce qui est vraiment effarant, c'est que ce sont des gens dans la détresse, comme tu viens de l'expliquer, dans le Nord, etc., qui votent pour une fille de millionnaire qui n'a jamais travaillé de sa vie, qui vit à Montretout, dans un château là à Saint-Cloud, qui a été dans les écoles privées probablement, qui a passé sa jeunesse dans les discothèques, etc. etc. Voilà, c'est toujours pareil, le mécréant, il vote pour les gens riches, quoi. Enfin, là, il y a une chose que je ne m'explique pas vraiment. Bah, parce que c'est un discours populiste qui fonctionne. Voilà. Et voilà, autre chose dont je voulais parler, j'en avais déjà parlé l'autre fois, je parlais de Julian Assange, et là, on a appris vendredi dernier que la ministre britannique de l'Intérieur a approuvé l'extradition de Julian Assange vers les États-Unis. On sait qu'il risque 175 ans de prison pour fait simplement de journalisme, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a fait son travail, qui a révélé des vérités sur l'exercice du pouvoir. D'ailleurs, ces révélations n'ont jamais été contredites. Et donc, il y a un dernier recours possible dans cette procédure, mais espérons qu'il ne soit pas extradé aux États-Unis. Ça confirme effectivement qu'on est dans ce monde de copains coquins qui s'autorisent tout et on peut. Ça sert aussi à faire peur qu'il n'y ait pas d'autres Julian Assange qui arrivent. Mais c'est quand même 175 ans de prison. Il n'y a aucun homme qui vit. Jusqu'à 175 ans. Mais les États-Unis, c'est vraiment le pays de l'absurdité totale. Voilà. On a vu avec le président précédent, la Trump la mort, jusqu'à quel point ce pays est capable d'aller. Enfin, voilà, délire, un espèce de fou furieux, débile, tout ce qu'on veut. Et puis non, je suis. Vraiment, jamais je foutrais les pieds dans ce pays. Je serais terrorisé, je suis sûr, en mettant... D'ailleurs, j'ai des copains qui sont allés, qui m'ont expliqué comment ils étaient accueillis à l'aéroport Kennedy. Je dois dire que ça ne donne pas envie d'y aller.
champ et de jouer au bout. Police, milice, organisée. Police, milice, prête à tirer. Police, milice, tout est factice. Et si tu sais le tour de l'avancement, tu gagneras de l'argent après chier les gens. Tu portes l'uniforme, relève le défi. Société de consommation à base de képi. Police, milice, organisée. Police, milice, prête à tirer. Police, milice, tout est factice. Police, milice, trust.